Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur votre télé du peuple RD Congo, une télévision qui a toujours été là pour vous informer, mais aussi décrypter la vie politique, économique, sociale, culturelle. Une question pour nous de vous mettre toujours au parfum du vécu quotidien congolais. Aujourd'hui, nous allons parler sur un petit thème, mais très capital. Nous avons entendu, mais aussi, on a suivi la conférence de presse tenue par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis... le Congo d'en face, le Congo Brazzaville, disant tout simplement que M. Bahatu de Kwebo peut ou ne pas être Premier ministre du prochain gouvernement. On ne sait pas, selon ce qui est en train de se concocter, selon ce qui est en train de se faire, on ne sait pas, selon le temps pour parler, de l'Union Sacrée ou encore des adhérents ou encore des participants de l'Union Sacrée. Où il va préparer pour la prochaine Premier ministre. Denis Sassou Nguesso, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a levé un côté du voile sur l'identité du futur chef du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. La bataille n'est pas gagnée par le chef de l'État et ses nouveaux alliés pour faire tomber l'actuel gouvernement Ilukamba, mais Félix Tshisekedi ne doute pas que les choses vont tourner en sa faveur. Et si c'est fait ainsi, le Premier ministre sera d'après le chef soit Modeste Bahati Lukwebo ou quelqu'un d'autre. Il, Bahati, est à l'ouvrage depuis le 1er janvier. Il va tenir un point de presse pour présenter les différentes étapes de sa mission. Le Premier ministre ce sera soit lui, Bahati, ou une autre personne, a déclaré Félix Tshisekedi à la presse de l'autre Congo. Le suspens est quasiment enlevé mais cela n'exclut pas une surprise, d'autant que le chef a décidé de se réserver une marge de manœuvre. Modeste Bahati Lukwebo a 30 jours, une fois renouvelable, pour faire au président de la République le rapport de la mission d'informateur lui confiée, celle de dénicher une nouvelle majorité parlementaire. Rédaction congoactu.net. Il faudrait que le Premier ministre soit issu de l'Union Sacrée ou encore de la nouvelle majorité parlementaire. Il a confirmé que M. Bahati Lukwebo a continué à œuvrer, a commencé plutôt à œuvrer depuis le 1er janvier en tant qu'informateur. Et nous sommes en train de voir, selon ce qui est recommandé par la Constitution, M. Bahati Lukwebo a 30 jours renouvelables une fois. Donc tout cela c'est pour découvrir ou encore dénicher la majorité parlementaire, mais aussi former le prochain gouvernement. Alors, pour faire tomber M. Ilukamba, il faudrait qu'il y ait d'abord requalification de la majorité parlementaire. Par la suite, on aura à nommer le premier ministre. Alors, on ne sait pas qui sera le prochain premier ministre après le départ de M. Ilukamba, qui est l'actuel chef du gouvernement. Le chef de l'État n'est pas allé par les deux de la cuillère. Eh bien, pour dire ce qu'il a dit, il l'a dit clairement, que M. Bahati Lukwebo, ça peut être lui, le Premier ministre, ou encore ça peut être une autre personne. Alors, la question qui se pose dans la population est que si M. Bahati Lukwebo devient Premier ministre, sera-t-il obtempéré le précepte les ordres du chef de l'État? Parce que ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui avec M. Ilukamba, apparemment, il n'obtempère pas les ordres du chef de l'État. Il ne marche pas selon la vision du chef de l'État. Il ne fait pas la politique du chef de l'État. Il est en train d'accomplir une autre politique, je dirais celle ou de son regroupement politique, le FCC. À savoir, peut-être que le prochain Premier ministre fera de son mieux pour exécuter les ordres du chef de l'État, fera de son mieux pour obéir aux ordres du chef de l'État, mais aussi appliquer sa politique. Nous sommes en train de voir Félix Tshisekedi qui a des ambitions, il a des ambitions un peu meilleures, il a des ambitions merveilleuses pour la République du Congo, mais il lui faut quelqu'un de bien, quelqu'un qui obtempère, quelqu'un qui obéit à tout ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un qui obéit à une lutte de conduite donnée par le chef de l'État. Voilà ce que le peuple congolais au Basako Senga. Des tractations concernant les postes ministériels de l'Union Sacrée, au cas où l'Union Sacrée raflait la majorité parlementaire,
deux qui balobi batamu ska tumi bazako obligé ba poste bazako exiger ba poste monsieur Jean-Pierre Bemba lui aussi avec ses poulains bazako exiger ba poste l'ULEPES de son côté il exige la primature en raison de ses 32 députés to éviter décision nini bakoza le maître de tout le monde c'est monsieur Félix Tshisekedi. C'est à lui la décision. C'est lui qui doit décider. C'est lui le visionnaire de l'Union sacrée. Et c'est lui le créateur de cette structure de l'Union sacrée. Yende akoye banini bakoki kosala par rapport à la poste. On a vu Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a réuni ses poulains hier du Grand Katanga. Mais on a remarqué qu'il y a poulain Moïse Katumbi n'a pas député. Moïse Katumbi, il y avait aussi des députés du FCC, entre autres M. Fofokonzi. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette union sacrée? Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs, dans Makambo ou Italie, union sacrée? Nous sommes pour le développement de notre pays, bien sûr, mais nous ne devons pas, ou nous ne pouvons pas développer notre pays avec des personnes qui ont détruit le pays, avec des personnes qui ont mis par terre notre pays, avec des personnes qui ont terrassé la République démocratique du Congo par convoitise de l'argent. Par une mauvaise volonté, une mauvaise foi, ils ont terrassé notre pays. Le chef de l'État ne doit pas parler, ou plutôt pas parler, mais ne doit pas travailler, ne doit pas œuvrer avec des personnes qui sont contre le développement de notre pays. Oui, ça parlait avec ces poulains. Il leur a donné des principes. Il leur a donné des normes à respecter. Mais au finish, nous avons oui qu'ils exigent aussi des postes. Mesdames et messieurs, la union sacrée, ceux qui t'osent pour avoir poste, le Congo n'ira jamais de l'avant. L'union sacrée sera aussi comme un blocage. Ce sera comme une pierre d'achoppement pour la communauté du Congo. Si les gens viennent pour les postes, c'est dommage. On a lu. Je ne suis pas confirmé, mais on a lu. J'ai lu. De déclarations, mais aussi des interventions faites par d'autres députés de l'ensemble pour la République, exigeant les postes, au cas où l'Union sacrée remportait la majorité parlementaire. Chose grave, je suis en train de voir dans d'autres sites où l'UDPS exige aussi des postes, et exige la primature. Mais c'est au chef de l'État de décider. Si le chef de l'État voit que non, la primature doit être entre les mains de l'UDPS, c'est bien lui le chef. C'est bien lui qui décide. Il n'est pas obligé, chef de l'État, tel que non, primature, il faut que soit aux Zango. Bon, non. Chef de l'État, il y a mon kabi maramazo sala. S'il vous plaît, nous devons laisser le chef de l'État agir selon ses désirs, selon son desiderata, selon sa vision. Et s'il agit selon sa vision, j'espère que ma camion se tourne et que le canal n'engue et s'engueule. Peut-être que ça va résulter à bien. S'il a lâché une petite phrase depuis Brazzaville en disant tout simplement que M. Batu de Kwebo peut être Premier ministre, on va dire que ça la formateur, il y a gouvernement, il y a prochain gouvernement. Ceux qui à ça correspondent dans le critère Nyonso au chef d'État Sakoluka, il sera nommé Premier ministre. Mais s'il ne répond pas aux critères, il y a au chef de l'État Sakoluka, il ne le sera pas. Barotia Mutumusu sera capable de correspondre dans l'attente de la population. Voilà. Et c'est ça même que le peuple congolais cherche. Et deux à
tous les gagabouy, les engagements, bakandi, les recrutements, bakandi, les affectations fermées. Tout est fermé. Depuis que fils est au pouvoir. On ne sait pas. Stratégie n'y a pas qui prend engagement, affectation, mission de service, mutation et autres. Peut-être avec ces 3 ans au Itikali, il peut faire quelque chose pour permettre que le peuple congolais se paie là. 12 heures, le Mme Tounion se combattre visant chef de l'État. Atika. Ce qu'on dit, c'est qu'on combattre visant chef de l'État. Il dit qu'on opinie le peuple congolais pour payer en gros. On fout ça. Le peuple congolais, il y a ça, on a posé ça, il y a Black Tea. Le peuple congolais, il y a ça, il y a collègue Selain Gongaté. Non. Le peuple congolais, il y a ça, il y a bien. Azana posa atanga. Azana posa asala musala. Azana posa azala à l'aise. Mais tu osala à l'aise ndenge nini soki tozo soutenir chef de l'état te na action na ye. Tu osala à l'aise ndenge nini soki tozo soutenir chef de l'état na likambo ou état union sacrée. J'ai lu quelque part monsieur Steve Mbikai. Hier kabiliste, aujourd'hui se déclare tshisekédiste. Il vient d'adhérer à l'Union sacrée, à l'obi, à Zakou Lukamaya pour soutenir le chef de l'État. À l'obi, juste après la création de l'Union sacrée, a proposé qu'il abattoie FCC. C'est une monde comme si Tomeka pour soutenir, Tomeka pour adhérer à l'Union sacrée. Oyo Fati. Chef de l'État créé. Alors, Bitango a commis l'IFCC, la hiérarchie du FCC, sa demande ou encore sa lettre était sans suite. J'étais resté sans suite. Lorsqu'il a vu plus de moi, on n'a pas répondu à sa demande. C'est alors qu'il a pris cette décision de quitter le FCC. Et d'adhérer à l'Union sacrée. Mesdames et messieurs, l'Union sacrée bakangeli moto porte ti. L'Union sacrée eza ya moto nyonso. L'Union sacrée eza ko benga bato nyonso o bazana vision ya malamu pona bo pona mboka na biso. Bakangi porte ti ya l'Union sacrée. Venez nombreux na l'Union sacrée, mais vous devez obéir, obtempérer aux ordres. Ou encore à la vision du chef de l'État. C'est ça le problème. Tu viens, tu adhères à l'Union sacrée. Oui, de beau idée. Est-ce que seras-tu obtempéré? Seras-tu pratiquer la vision du chef de l'État? Seras-tu répondre aux attentes de la population congolaise? Ou vous venez adhérer uniquement pour les postes? Steve Mbikai. Je le répète qu'hier il était kabiliste, aujourd'hui a aussi quadré la union sacrée. Il y a même des documents. Écoutez, vous devez savoir que Félix Tshisekedi azana posa mboka na biso ebonga. C'est pourquoi le baki to créé union sacrée. Dans le baki yango na précédente vidéo. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que vous Tshisekedi. Je ne suis pas fan de Tshisekedi, mais je suis en train de promouvoir ses actions. Parce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez ok, non, asana bolimombo kanabiso. Oui, asana bolimombo kanabiso. Tu ok, que non, ma partie belé, y a FCC. Ils ont adhéré sur la union sacrée. Je vous dis que s'il y a des espions là-dedans, vous voyez, et que ça l'a détecté, puis, tout le monde va vous écarter. Le peuple congolais est sous Black Tea.
peuple congolais alingi souba jeté, peuple congolais alingi développement, alingi avancement ya mboka. Voilà ceci à peuple congolais. Alingi ne avancement ya mboka na biso. Sous mon YouTube le bas, sous mon boy, n'entend comme on a monté par le bi, sondage mon salamaki, va découvrir que non, chef de l'État a marqué trop peuple congolais. Mais yo comme tout mon boy le bas, oui, c'est sérieux, a marqué peuple congolais parce que a créé crise, dans beaucoup d'abysso, a créé tribalisme, dans beaucoup d'abysso. C'est-à-dire qu'un autre terme a bébé c'est ma cambébélé, chers compatriotes, mesdames et messieurs. Je vous en conjure que le chef de l'État n'a rien, rien, rien pu trifier. A BBC et Loco à Tamoko T. Par contre, il est en train de chercher comment remettre le pays sous les rails. Et ça, batou oyo, batondi, namote mamabe, de baza koulukako diaboliser d'autres personnes. Pour saboter ma action à chef de l'État. Est-ce que yo, au moment que chef de l'État a terminé la tribune à lobby, peuple congolais tout pratiquer tribalisme, peuple congolais tout pratiquer népotisme, peuple congolais tout pratiquer je ne sais quoi, les vols ou encore les viols? Non. Ce sont des haineux de la République. Les haineux du pouvoir. Comment faire chuter Félix Tshisekedi? Vous savez, hein, ils n'ont pas passé qu'au bébé ça ou encore qu'au bébé ça ou qu'au bébé ça ou c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Nous devons faire de sorte que le chef de l'État qui est le bosso, Makamounyo so esimba na mboka na biso ba tobazwa misala, ba tobalia bien, ba ramenso esimba. Voilà notre souci. Voilà notre souci. Le bila lobela ki bino le kambo ya coronavirus. Nous devons tout ça nga coronavirus tout ki tout ça solo solo ça le gota. Je vous dis sincèrement que coronavirus est à solo. Mais nous devons juste respecter les mesures barrières. Si quoi, et le cas comme ça, Badozani, l'Assemblée nationale, Bazako se rencontrer, ou encore Bazako se réunir, plus de 500, ou plutôt plus de 400 députés. Qu'on a des coronavirus, ça l'a raté. Aujourd'hui, les étudiants sont en colère. C'est de l'Unikin, c'est de l'USP Gombe. Bon, tout comme allait très mauvais. Vous avez décrété marche. C'est de l'UPEN. Vous avez décrété marche. Pourquoi Balingi ba bébé sa éducation yabana? Pourquoi Bazako empêcher Banaba Tang alors que Badipité Bazako se rencontrer? Donc, le moyen de atteindre Mutumoko ya ba membre, Moko ya membre ya. Il y a le docteur Mouyembe. Tout le monde, comment pour atteindre les fils que Moutoumoko va expliquer Bissot, ça se passe comment? Parce qu'autrefois, il y a une réunion, la ministre a épesté, Willy Bakonga, cherchant comment est-ce qu'il va qu'il va encore lever mesures à couvre-feu pour ma camion saison. Parce que les étudiants, les tomboka, les élèves, les silikamakas, par rapport à Yandeng, ils vont empêcher Bango Batanga. Alors qu'il va marcher. Et ça constate convenablement comme il se doit. Ma église, et ça cocota. Ma bar, et ça cocota. Ma plénière, ma députée, ma soukoutana. Mais pourquoi toujours ou encore seulement les étudiants, les élèves, ma ça empêcher? Sauf qui ma camoua n'est pas encore bébé ça, image chef de l'État, tout ça dénoncé à moi. Parce que Bolingwa chef de l'État envers le peuple et Outarawapi, chez les fonctionnaires et Outaka chez les jeunes ou encore la jeunesse en général,
en d'autres termes, chez les étudiants, chez les élèves. Ce qui peuple congolais, ce qui va étudier va comme Koïna, chef de l'État, à cause de la mesure au bazar Kozoa, alors qu'il va tenir sous sous, bazar pour gagner à l'encontre ma mesure ou ana, ils ont mal à monter. S'il y a quelque chose caché derrière ces virus, il y a coronavirus, il y a corona. Pour la co-inissa, chef de l'État et pas étudiant et pas élève, vous êtes donné un peu tout boy. Ce qui va mesurer, on est là qui prise. Pour la co-saboter, chef de l'État. Boutique à ma camion, on est là. Ceux qui ont été députés, et les députés, ils ont été la plénière, ils ont parlé du peuple, plus de 400. Or, on a pris ça qui a attroupement à 10 personnes. Mais les députés sont plus de 400 personnes là-bas. Les députés sont plus de 400 personnes. Ils se réunissent. Donc, le coronavirus, c'est ça que pour les étudiants, pour les élèves, dans ton marché, le coronavirus, ils ont raté. Les députés, coronavirus, vous allez rater. L'église, coronavirus, vous allez rater. Quand on est député, on va respecter la mesure barrière, on va parler du peuple, on va salir Moussa dans la bango. Quand on est dans le marché, on va wenze, on va cachiner, on va respecter la mesure barrière. Quand on est dans l'église, moi, dimanche, j'étais à l'église, on va attendre l'église. Ah, salutations à mon pasteur. À Baruti, à Kasongo, merci beaucoup en tout cas. J'étais allé à l'église dimanche. Avant qu'on ait une église, il faut s'en cacher. Peu matisse yango. Et non, au kit yango, il cache maintenant. Non, cacher au lati yango, masque na yo, au finiki, zolo na yo, la monoko na yo. Et puis, côté na église. Sans cacher nos côtés. Voilà. Mais cela peut être fait aussi. On n'a pas étudiant, on n'a pas élève. Juste que ceux qui te respectent, bah respecter bah mon bah mesure barrière. Il est au moment de voir ça là. Ceux qui le bien étudient à côté d'un auditoire avec un cache-nez, un masque, à côté d'un auditoire, à respecter la mesure barrière. Et c'est à cause du coronavirus, à cause de monter. Et on a dit qu'un nègre va député, parce qu'il respecte la mesure barrière, n'a pas marché, n'a pas église, étudiant pays, à ça capable, il a respecté la mesure ouana. Et dont le chef de l'État, à ça la moussa la naïma la mou. Ceux qui ba étudiant, ba élève, ba comme il y a chef de l'État, par rapport à ma mesure, Oyo, Eteni Longondo, na docteur Moyembe, à synergie avec chef de l'État, Bazouaki, Isa Malamouti. Dans le bien, qui est chef de l'État à Ganaka, Bolima peuple, et pas va fonctionnaire. Ce qui a gagné, et pas va fonctionnaire, il y a l'État. Bazako lia bien, Bazako fouta ma malam. Ba militaire, ce qui Bazako lia bien, Bazako fouta ma malam. Ba étudiant, ce Bazako tanga malam, et Bazako fouta sans problème. Boyebake, chef de l'État même na élection prochaine a ko raflé yango parce que les militaires mangent très bien et ils sont mieux payés, les étudiants étudient sans problème, les fonctionnaires sont mieux payés. Et voilà la force du chef de l'État. Mais ce qui est une partie y a battu de bazako CP là, les autres bazako là. Et ça comme moi. Ils ont vraiment Koboma. Tout ce qui est étudiant, Batanga. Tout ce qui est élève, Bakin, des classes. Mais tout en respectant les mesures barrières. Voilà. Merci beaucoup, Nabi Nonyo Sobotu Kolanda. Merci à Nabi Nonyo Sobotu Kolanda. Parce que le sujet est trop important. C'est là qu'il y a le prochain Premier ministre. Il y aura qui déjà ma camion sur la Lobaki. Le prochain Premier ministre, ceux qui ont commis Batu le Kwebo. Bon commenter parce que chef de l'État yemoko à Lobaki yango na Brazzaville. Ceux qui ont moni battu le coup comme premier ministre, bon commenter. Moi je dis oui à battu le coup. Si l'avion du chef de l'État est donné battu le coup comme premier ministre, moi je dis oui parce que c'est quelqu'un de sérieux.
C'est quelqu'un qui se respecte. Il s'est détaché du FCC. Tant qu'on va pimer la caille, ma poste, parce qu'il avait raison de réclamer ses postes. Mais tant qu'on va pimer la caille, ma poste, c'est pourquoi c'est détaché à la FCC. Bah, Benganaki, en Lima qui paye. Il avait accepté. Parce qu'il avait une vision qui a pour soutenir l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Aujourd'hui, il est aux côtés de Tshisekedi, Félix, avec une vision qui a pour soutenir l'action de moi je dis bravo si c'est lui le prochain gouvernement, le prochain premier ministre, le formateur du gouvernement. Bravo si c'est une autre personne ou le chef d'état qu'on nommé. Bravo et ça m'a bêté. L'essentiel est que Mboka Nabiso Kennedy Bosso, c'est ça notre souci. Voilà Balandia TV du peuple RD et Congo. Nous vous disons merci beaucoup parce que vous avez été nombreux à nous suivre aujourd'hui. Demain, nous allons encore nous retrouver avec un autre sujet, une autre thématique que j'aurai développée avec mon confrère Chetak Ndibou. Merci beaucoup au patron de la chaîne Balandaï depuis la Belgique, Kalala. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous soutiennent. Continuez vraiment à vous abonner massivement sur notre chaîne. Continuez vraiment à partager nos liens. Continuez à vous abonner massivement afin de ne rien rater. Vraiment, c'est très important de soutenir l'action chef de l'État pour la Bolam Yambo Ganamiso. En tout cas, merci beaucoup. Merci à André Tipan Mandibou. Merci à Henri Kongolo. Merci à mon très cher caméraman Joseph Kalala. Moi, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement avec un autre sujet. Merci.